À quoi ça sert? Ça veut dire quoi, ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui, lui? Un jour, une question. C'est quoi la dyslexie? Un enfant dyslexique est un enfant qui a des difficultés à apprendre à lire et à écrire correctement. Cette difficulté n'est pas due à un manque d'intelligence. Les spécialistes pensent que les dyslexiques utilisent leurs capacités différemment des autres. Et c'est cette autre façon de fonctionner qui entraînerait des retards et des erreurs répétées lors de l'apprentissage de la lecture. Mais c'est un gros problème, la dyslexie? La dyslexie est un handicap qui appartient à une grande famille appelée les 10. La dyscalculie, par exemple, concerne les enfants n'arrivant pas à faire des calculs. La dyspraxie, ceux qui ont du mal à coordonner leurs gestes et qui sont souvent qualifiés de maladroits. Ou la dysorthographie, ceux qui n'arrivent pas à acquérir les règles d'orthographe et qui rendent des copies truffées de fautes. Attention, il ne faut pas confondre les 10 avec les retards ou les difficultés normales que tout enfant peut connaître à l'école. Les 10 auront beau travailler, leurs difficultés ne s'effaceront pas. C'est un vrai trouble qui ne disparaît pas, mais avec lequel on peut tout à fait vivre en trouvant une autre façon de résoudre ces problèmes. Grâce à l'aide d'un orthophoniste, durant 2 à 4 ans, les enfants 10 peuvent apprendre à contourner les difficultés causées par leurs troubles. Il est important que ces troubles soient repérés à temps par un professionnel, car sinon, les enfants 10 sont facilement en situation d'échec scolaire sans savoir pourquoi. Tu te poses des questions ? Nous, on y répond.